chères internotatrices et chers internotateurs, amateurs d'embrouilles dans un tout petit village, bienvenue dans cette Rétract TV où nous allons tenter un scénario de Joan of Arc, en français Jeanne of Arc. Si Monsieur Guillaume à côté de moi fait l'imbécile, c'est parce qu'il va jouer un petit personnage un peu particulier. T'as pas reconnu le loup-garou? Ouais, j'ai pas connu le loup-garou. Monsieur Guillaume va jouer contre moi à un jeu que Monsieur Léonidas nous a expliqué dans une petite vidéo précédente. Comment vas-tu, Monsieur Léonidas? Je vais très très bien et j'ai hâte de voir ce que va donner cette partie. Alors, c'est une partie de découverte en ce qui concerne Guillaume et moi. Nous allons jouer l'un contre l'autre. Monsieur Léo va nous surveiller et nous aider un petit peu à appréhender le jeu, hein, parce qu'on a écouté les règles un peu comme ça, vite fait. Mais bon, on lui fait confiance pour nous aider. Joan of Arc est un jeu de Mythic Games. Mythic Games de Pascal Bernard, illustré par Bayard Wu, Mythic Games donc, 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 45 à 90 minutes. On a expliqué plein de trucs dans la Rétract TV d'explication, c'est normal. Il y aura un petit papotage pour expliquer d'autres trucs sur le projet Kickstarter. Ça, je vais le poser par-devant moi parce qu'on n'en a pas besoin. Deux petites précisions. Le matériel avec lequel on va le jouer ici, là, présentement, est un matériel de prototype. Ce n'est absolument pas ce que vous allez avoir dans le jeu quand vous le recevrez dans un an à peu près. On est en septembre 2017. Il est probable que le jeu arrive en octobre 2018. Donc, c'est un prototype plus ou moins bien fait avec des éléments aléatoires qui ne ressemblera absolument pas à ça. Je tiens à le préciser. Ensuite, c'est un jeu à scénario. C'est un jeu qui se base sur une époque, celle de Jeanne d'Arc. Okay. De la guerre de 100 ans. De la guerre de 100 ans. Pas que Jeanne d'Arc, ça commence avant en fait. Un univers réaliste. Oui. Dans lequel il y a des éléments surréalistes, on va dire, mais d'époque. En gros, vous allez avoir plein de scénarios différents pour vivre plein de choses différentes. On va jouer un scénario débutant dans lequel apparaissent des loups-garous, ce qui n'est pas improbable parce qu'à l'époque, on avait la bête du Gévaudan, on avait plein de croyances, les gens avaient peur quand ils allaient dans les forêts. Les légendes qui étaient entretenues pour contrôler les gens. Donc, il y a des loups-garous, il y a des chevaliers. Le chevalier que je suis va tenter de péter la gueule du loup-garou qui lui va tenter de nous manger, enfin de résister. C'est exactement. Ça, tu vas nous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer c'est tout parti. Ça. C'est parfait. Eh bien, en effet, c'est une très belle présentation puisque ça résume parfaitement ce qu'est ce jeu. C'est-à-dire que même il y aura des scénarios purement historique. Et là, on est vraiment dans l'historique pur. Quand on refait les batailles de Jeanne d'Arc ou d'autres, puisque c'est sur toute la guerre de 100 ans, ça se passe du début de la guerre de 100 ans jusqu'à la fin de la guerre de 100 ans. Donc, il y a des personnages qui ne se rencontreront jamais. Le prince noir ne rencontre pas Jeanne d'Arc. Le prince noir, il est du début de la guerre de 100 ans. Jeanne d'Arc, elle est de la fin de la guerre de 100 ans. Ils ne se rencontreront pas. Donc, tous les scénarios historiques qui reconstituent des batailles célèbres, il y en a plein, Azincourt, Patay, Crécy, il y en a plein. Toutes celles-ci, elles seront historiques, purement historiques, sans intervention fantastique ou alors mystique. Ouais, on peut. Quoi qu'il arrive, Jeanne d'Arc, elle a entendu des voix. Donc, Elle, c'est très très présent. Hein. Mais il y aura également des scénarios qui feront intervenir des éléments, on va dire, mythique de cette époque. Et là, c'est le cas. Et par exemple, sur ce scénario-là, ça se base sur une histoire qui est réelle, qui a été consignée, écrite, et donc qu'on reprend ici, qui est l'histoire de la croix du loup pendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est en 1383, dans un petit village de Normandie, je crois, il y a eu un événement extraordinaire qui s'est produit. Un personnage, on l'a entendu crier comme un loup. Il y a eu des loups qui sont rentrés dans une église. Vous imaginez des loups dans une église qui rentrent en nombre à cette époque. Et donc, le clergé a été informé et le seigneur de... Puisque les seigneurs, en fait, contrôlaient des terres et donc le seigneur du village est venu avec un prêtre et quelques hommes d'armes. Faire une petite enquête. Après avoir interrogé notamment les personnages qui
qui avait disparu ou tout ça, ils ont retrouvé le loup-garou qu'ils ont pendu et tué. Ils l'ont laissé sur un arbre près d'une croix se décomposer, se faire manger, etc., jusqu'à ce qu'il soit plus qu'un squelette, etc. Oui. Voilà. Et le village porte toujours le nom de la croix de l'incarnu. Ouais. C'est quand même mystérieux de pouvoir interroger des gens qui ont disparu. Mais, là, je dis que là, il y a du mal de sous la roche. Non, mais OK. Donc, dans ce scénario, il y a un joueur. Donc, vous voyez, il y a ce côté. Il y aura des loups, il y aura un loup-garou, il y aura une vieille femme, on ne sait pas si c'est une vieille femme ou si c'est autre chose, on le verra dans le scénario. Il y a des maisons, il y a des églises et on va rejouer cette histoire. Donc, le scénario tel qu'il est fourni dans le jeu permet d'installer ça. Oui. Donc, les arbres sont représentés, tout ça, et on sait. Les troupes en présence sont réparties entre les joueurs. Il y a des jetons, là. Voilà, là, il y a des jetons. Donc, en effet, ce sont des jetons de rencontre. Donc, ça, c'est une règle spéciale de ce scénario. Ce n'est pas dans tous les scénarios. Quand un personnage rentre dans une case, il regarde. Alors, si c'est, en fait, le villageois et on va dire, et le loup-garou et donc ses alliés, ils ont une meilleure connaissance du terrain que le seigneur. Ce qui fait qu'ils ont des petits avantages par rapport à ça. Donc, quand c'est le villageois loup-garou, donc un des quatre personnages, tu vois, tu as quatre villageois. Alors toi, t'es le loup-garou, donc. Tu es le loup-garou. Et le loup-garou, s'il l'est, et si la vieille dame s'avérait être une sorcière, tu pourrais avoir un autre personnage dans ton camp. Ceux-là peuvent faire des rencontres. Les loups ne font pas de rencontres. Oui. Les loups, ils ne vont pas aller discuter avec des paysans. Mmh. Ou, voilà. Donc, quand un de tes personnages rentre, toi, tu peux regarder le jeton. Mmh. S'il te plaît, tu peux le révéler. S'il ne te plaît pas, tu peux le laisser. Et tu peux même en échanger deux sans les regarder. D'accord. Voilà. Toi, quand c'est, par contre, quand tu découvres un jeton. Tu le retournes. Tu peux. Tu n'es pas obligé. Non. Tu peux le regarder. Non, tu le dévoiles. Tu dois le dévoiler. Tu dois le dévoiler. Okay. Voilà. Donc, lui, il a ces troupes-là. Mmh. Quelques loups. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur le terrain. Alors, moi, mes troupes, c'est quoi ? Ça, c'est les trucs que je peux faire intervenir. Sont des paysans. C'est-à-dire que dans ces rencontres, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Alors, je vais vous dire quand même les trois possibilités que vous avez. Quand vous rencontrez, quand vous retournez un jeton, ça peut être un paysan. Les paysans, de base, ils vont plutôt aller du côté du seigneur. Ils ont peur, ils vont se ranger au seigneur. Donc, si c'est un de tes chevaliers ou un de tes hommes d'armes, donc, ou moi, ton prêtre, ça, moi. Tu as un chevalier, tu as des piquiers, ceux-là, voilà, et tu as des hommes d'armes qui sont là, et tu as un prêtre. Ok, d'accord. Ok, j'ai mes cartes qui vont avec. Okay. Voilà. D'accord. Ok. Donc, si c'est un de ceux-là qui découvre un jeton de paysan, à ce moment-là, tu prends la figurine du paysan et il est avec toi. D'accord. Par contre, lui, c'est un paysan, il sera de base contre toi, sauf si tu veux les envoûter. Et pour ça, il te faudra un cube noir. D'accord. Bon, ça, c'est quoi ? C'est le truc qu'on peut relancer un Alors, ça, vous avez chacun. Alors, toi, tu joues le camp rouge, toi, tu joues le camp bleu. Le camp bleu, tu as ici ta zone de respawn. D'accord. Toi, tu as ta zone de point de respawn ici. Ah, c'est où ? C'est dans quelle case, là ? Parce que tu es entre deux, là. C'est là. Voilà, c'est là. Près de l'arbre. Exactement. Près de l'arbre. Couper cet arbre. Et vous avez un jeton, mais une fois dans la partie, vous allez pouvoir faire une relance. C'est quoi ça ? Ça, ce sont les points de ton paysan. Voilà. Et ça, alors, donne-les-moi ces trois jetons, je vais vous les montrer. C'est bien vu. Donc, vous voyez, on a des intérieurs de bâtiments. Ouais. D'accord. Je vais les prendre d'ailleurs et je les placerai au fur et à mesure. En cas de besoin. S'il te plaît. Tac. Voilà. Ce sont les intérieurs. Ce sont les intérieurs des bâtiments. D'accord. Parce qu'on peut rentrer. Quand on arrive sur une case comme ça, on se met d'abord à l'extérieur. Et puis, si on veut rentrer, on peut rentrer dans un bâtiment. Tu l'enlèves, tu mets l'intérieur. Je l'enlève, je mets l'intérieur du bâtiment. Et à ce moment-là, on joue là-dessus. Et tu mets ta figurine. Et tu mets ta figurine à l'intérieur. Exactement. Okay. D'accord ? Attention, voilà. T'es dans le foyer, là. Voilà. Donc. Ça, c'est une vanne de loup-garou. Donc, quand on rentre là-dedans, on met ça. Ouais. Et. Ces trois bâtiments-là vont cacher des objets, un de ces trois objets-là pour chacun. Donc, il y en a trois. Il y en a un, il n'y a rien. Quand tu vas fouiller… Tu te fais là, tu fais « Oh, voilà. Meurs, il n'y a rien, dégoûté. C'est quoi, c'est rien ?» C'est rien. Okay. Il y en a un, c'est une cage qui contient des loups. Parce que je vous ai dit qu'on a trouvé des loups dans l'église. On les a enfermés dans une petite cage dans une des maisons. Et ça,
c'est des armes, une cache d'armes. C'est-à-dire que les villageois, les pauvres villageois, regardent leurs caractéristiques. Oui, non, pas les paysans, je parle des citoyens. Si tu ils n'ont même pas de combat. Ils n'ont pas de combat. Mais si tu trouves la cache d'armes, ils auront tous un dé jaune. Ah, ça, c'est bien ça. D'accord. Et on mettra, voilà. Donc, ce sera déjà où est-ce qu'il faut que j'aille. Bon, t'as raison. Ah ben on y va alors. Donc, le loup-garou a intérêt d'aller fouiller ces trucs-là. Pour trouver l'équipement. Dans l'église, il y a quelque chose aussi. Oui. Dans l'église, quand on va dans l'église et qu'on prie dans l'église, et quels sont les personnages qui, chez toi, peuvent prier? Le loup-garou, les citoyens et même la sorcière, si elle vient, peuvent prier. Ah, ouais. Chaque fois que tu pries, dans l'église, tu gagnes un point d'expérience ou de mythe. Si vous avez trouvé la crypte qui se trouve dans l'église, à ce moment-là, chaque personnage qui priera, et n'oublie pas si tu en as deux, il prie tous les deux, chaque personnage rapportera deux points entre mythe et expérience. Donc, tu peux avoir quatre points, par exemple, trois mythes et un expérience. Mon prêtre peut prier n'importe où. Oui. Est-ce que ça résonne? Mon prêtre peut prier n'importe où. Est-ce qu'il prie dans l'église et il double? Dans l'église, dans l'église. Ah! Correction, on a une correction, Dieu nous parle. Dieu nous... Qu'est-ce qui se passe? Jeanne, écoute. Léonidas, ça... Oui, tu... Oui. Je suis là, je vous parle. Dis-nous. Alors, pour l'église, c'est... Non, on n'entend pas, donc il... Pour l'église, c'est un cube. C'est juste un cube de plus. D'accord. Et le chevalier a le droit ou pas de retourner les chevaux en rencontre. D'accord, ou pas. C'est que le chevalier. D'accord. Donc, mon prêtre, si mon prêtre prie dans l'église, il a un cube de plus par rapport à ce qu'il a déjà de base. C'est ça. Ok. Voilà. Mais sinon, c'est bien ce que j'ai dit. Oui. Quand tu pries, tu en as un. Voilà. Ouais. Okay. Voilà. Allons-y. Alors, qui commence tour. Alors, on va révéler, en effet, le premier tour. Qui commence? C'est le loup-garou qui commence dans ce scénario. Et alors, attention. Dans ce scénario, nous avons six tours. Ah oui, c'est quoi l'objectif? Moi, il faut que je trouve le loup? Toi, ton objectif, c'est de tuer le loup avant... Avant la fin des six tours. À la fin du six tours. Il est là, le loup. Donc comment on fait? Ben pour l'instant, il n'y est pas. Avant de commencer, le loup-garou va devoir placer un de tes... D'abord, chacun de tes paysans, tu en places un dans une des zones de village. Ouais, sinon, à l'extérieur des maisons. Un sur chaque. Si tu ne me fais pas rentrer le loup... Pour l'instant, le rose là. Il y a le bleu là. Comment je vais faire sa fête au bleu? Il y a le jaune et il y a le rouge. Il est parti pisser derrière l'église, le rouge. Ça, c'est son... Ils sont à lui. Ils sont à lui. D'accord. Je peux leur péter la gueule. Alors, si tu le fais et que tu pètes la gueule d'un innocent, tu perds un tour. D'accord. Mais là, il y en a un, deux, c'est le loup. Il y en a un, c'est le loup. Et là, maintenant, monsieur parmi Guillaume les quatre couleurs, va choisir qui est le loup-garou parmi ces quatre-là. Il va le mettre face cachée d'un côté et les trois autres. Voilà, il est bien. OK. Il va les garder parce qu'il devra te prouver quand tu interroges. Ça, c'est le loup. Ça, c'est le loup. Et cache les autres. Les trois autres, tu les mets là et tu les révéleras si à un moment, parce que toi, tu vas pouvoir interroger le loup. Oui, mais tu vas pouvoir interroger, je veux dire, les citoyens. Les citoyens. Rouge, bleu, rose. Si le tu loup, interroges. C'est le rose. Voilà. C'est le rose. Il faut que tu l'interroges. J'allais te l'interroger, moi, tu vois. Vas-y. Si tu interroges avec le prêtre, il est obligé de répondre à ta question. On ne ment pas à un prêtre. D'accord. Bon, viens avec ton prêtre. Si, je pose des questions, tu vas pas mentir. Et donc, il faut que tu sois sur une zone d'attention pour interroger. Okay. Si tu interroges avec le chevalier, tu lances un dé vert et donc, il faut faire un bouclier. Tu as une chance sur deux d'avoir qui te réponde. Okay. Et les autres, ils ne peuvent pas interroger. Ils ne peuvent que tabasser. Ça tabasse. D'accord. Vas-y. Alors, vous avez... c'est quoi? C'est des troupes qui vont arriver à un moment donné? Alors, je vous ai dit, il y a soit des loups, soit des prêtres, soit une super rumeur. Donc, je dois tuer le loup-garou. Lui, il doit tenir six tours sans se faire avoir. C'est parti. Alors, et je vous expliquerai les choses que vous pouvez faire. Oui. Juste un truc avant. Vous avez six tours. Vous avez deux qui en ont deux. Vous en avez deux qui en ont trois qui en ont trois et un qui a quatre. Ok, vas-y, fais péter. Ça, c'est pour le nombre d'actions. C'est pour le nombre d'actions. Il va y avoir un tour à fond. Voilà. Sinon, c'est plutôt moyen. Et voilà, c'est ça. Il y en a deux à deux. Et... Allez, fais péter. Ça sent le chien mouillé. Vas-y. Il y a un truc qui n'est pas du bon côté, je sais pas. On est bon. Ah, pardon. Vas-y. On commence avec trois cubes. Alors, vous prenez chacun trois cubes rouges. Tiens, alors, tu les mets dans ta zone. Hop. Et le chevalier commence avec un cube vert au départ. Le cube vert, c'est celui qui charge. Voilà. Et il commence avec un cube vert parce que c'est les conditions du scénario. Et on tourne trois cartes. Et maintenant, on tourne les trois cartes de la carte de la rivière. Non. Et c'est le loup qui décide. Ah, dis donc.
C'est 5 pour évaluer. Alors, soit soit vous convertissez un rouge comme ça ou un jaune en noir, soit vous piochez deux cartes mythes et vous gagnez automatiquement un noir, sachant que les coûts des cartes mythes, c'est 1 ou 2. Mais après, on peut avoir d'autres façons. Donc, c'est le loup qui doit choisir en premier. Deux cubes mythes. Il prend deux noirs. Donc, lui, il veut utiliser la magie, ce qui n'est pas Et moi, je prends deux cubes jaunes parce que j'ai envie que mon héros devienne vite fait un chevalier. Et alors, comment je fais pour le transformer? Il en faut 5, tu m'as dit? 5. Tu peux le faire pendant ton tour n'importe quand. Et on ne peut pas les stocker, ceux-là, en fait. Non, tu les mets. Il y aura une autre zone pour les stocker, pour transformer les. Ouais, c'est pas des points d'action. À la fin du tour, tu vas me les. Non, c'est pas des points d'action. Voilà, tu les mets là. Voilà, tu les mets là. C'est une très bonne idée. Ok, c'est à moi. Oui. Donc, je vais jouer 1, 2 ou 3. Je peux activer et rentrer dans une maison. Oui, bien Donc, sûr. Donc, si j'active et que je rentre dans la maison, je ne pourrai pas fouiller à ce tour-là. C'est qui ça? Ah, c'est la vieille dame. Alors, normalement, tu as raison. Fouiller, c'est une action. Ouais. Dans ce scénario, j'ai dit que les villageois connaissent parfaitement les lieux. D'accord. Donc, dès que tu rentres dans une maison, on découvre tout de suite ce qu'il y a. Le petit jeton qui va avec. Le petit jeton qui va avec. Ah, et bien allez. Hop, on va activer. Et mon citoyen… Lui, il rentre là-dedans. Rentre. Donc, on retire la maison, on met… Ça, donc voilà. Ça, c'est une petite. Il peut y en avoir combien dedans? Il peut y avoir deux figurines dedans. Et je précise une règle là aussi. C'est les seules zones où on peut mélanger deux camps différents. Ah oui, c'est sale. On peut se battre dans la maison. On peut se battre dans la maison. De l'intérieur à l'extérieur. Voilà. Et donc, je fouille. Tu fouilles. Alors, tu fouilles. On va prendre un de ceux-là. Celui du milieu. Celui-là. Et bien, tu vas regarder ce que c'est. Et moi, je sais pas ce que c'est. Si, tu vas le voir. Ouais. C'est une cage. Voilà comment ça se passe. Tu vas prendre l'équipement. Tu trouves la cage. Je vais trouver la cage. Enfin, c'est toi qui le fais normalement. Tu lui donnes. Parce c'est parce qu'il sait c'est laquelle. Qu'il sert à quelque chose. Alors, regarde, montre. Tu peux ranger ça. Le loup-garou libère des loups de leur cage et fait apparaître loup en renfort sur la tanière. Donc, ma tanière, elle est là-bas. C'est ça. Je prends. Ça, tu peux la défausser à côté. Un petit jeton de loup. Voilà. Et tu le mets sur la tanière. Et voilà. Voilà. Donc, en fait, tu as découvert dès ton premier… Et j'ai libéré les loups. Et tu as libéré les loups. Donc, maintenant, tu peux les contrôler. Ça marche. Donc, ça, c'était ma première action. Par contre, ça, je peux aller les fighter tranquillou. Ah, bien sûr. Tranquillou. Oh, oui. Est-ce que la tanière, la maison, pardon, la chaumière est une zone? Ça veut dire que si je veux le faire sortir, il faut que je l'active pour qu'il ressorte. C'est ça. Ouais, mais sauf que tu ne peux pas le faire avec un truc rouge. Si. Bah, tout à l'heure, c'est pas la même. Rejouer. Oui, c'est pas la même zone. C'est une zone dans la zone. Et oui, les bâtiments sont des zones dans les zones. Eh bien, je vais faire la même, mais avec le gros, dans la grande maison. Là, c'est combien dans la grande maison? Alors, dans la grande maison, vous pouvez tenir à 3. D'accord. Et alors là, lequel? Tu l'as vu? Tu l'as pas vu? Gauche. Celui-là? Ouais. Il y a un truc pour moi, au moins, là-dedans. Non, que dalle. Non, tu les auras pas. Rien de rien. Bah, c'est normal. Voilà. Là, il n'y a rien. Il y a trois trucs à trouver. Il faut que tu rentres dans toutes les. C'est ce que je vais faire, oui. Toi, Fall, c'est les trucs que tu dois faire. Là et là-bas. Ouais. Oui, et puis surtout en interrogeant les paysans. En interrogeant les paysans. Laisse-moi faire. Eh bien, écoute, je m'en fous. Laisse le pisser dans les coins. Je vais. Vas-y, fais rentrer dans les maisons, là, c'est ça. Allez, je vais rentrer dans la troisième. Il démarre au pied des maisons. Donc, si tu veux. Bien sûr. Hop. S'il ne fait pas ça, il est vraiment. Donc là, je veux des armes. Vas-y, retourne-le quand même. D'accord. Des armes. Mes citoyens sont armés. Pardon. Tous les citoyens gagnent plus un jaune. Bah voilà, tu mets la carte à côté. On le saura. Ok. Il te reste quoi? Il te reste plus des cubes noirs, mythes que je vais garder. Je n'ai plus d'activation. Donc, si tu as fini, il faut nettoyer le terrain, donc retirer tes cubes et me les rendre. Puisque, voilà. Le vert, ça me permet de charger. Mais ça peut être aussi utilisé comme un rouge. Hein. Ouais. Je vous l'ai expliqué. Hein, ça. Mais charger, c'est pour taper. Hein. C'est ça. Là, ils sont dans la maison, donc ça me fait tac-tac si je veux. Exactement. Si tu attaques de l'extérieur de la maison vers la maison, il aura un des verts de plus. Parce qu'il est protégé. Voilà. À travers les fenêtres et tout ça. Bon, ça y est, je suis enfin armé. Moi, je vais déplacer cette zone-là. Ok. Ok. Donc, le prêtre va aller interroger. Là, il y a une… Voilà. Alors, tu dois d'abord résoudre chacune des actions. Oui, tu peux, hein, avant de faire l'autre. Donc là, pour l'instant, tu as un choix. Ceux-là, tu les activeras après. Prier, c'est une action. C'est une action. En fait, tu peux dire, bon, il prie. Tu peux, à ce moment-là, il aura fait son action, ça sera terminé. Si tu veux prier, tu peux. Non, moi, je vais prier. Lui, je peux faire venir lui. Et bien sûr. Donc, je vais dire, lui, il prie. Lui, il n'interroge pas, lui. Il n'interroge pas, il m'a dit. Lui, il prie. Oui. Lui, il va là.
Lui, il va là. Bonjour, madame. Bon. Je tire une carte. Alors, mélange bien. Tu vas prendre une carte et tu vas lire les deux premières questions. Il y en a une rouge. Non, il y en a une noire et une blanche. Et tu dis surtout pas les réponses. Bien sûr. Donc, du coup, la vieille dame ramasse du bois dans cette petite forêt que tu... Tu es prêt? Oui. Quoi, la voix? Tu l'as dit. C'est n'importe quoi. Je savais, tu l'avais dit tout à l'heure. Les troupes n'interrogent pas, elles sont là que pour bastonner. Eh ben écoute, ils peuvent rencontrer les troupes. Oui. Donc je vais aller là. Non, tu peux pas parce que là c'est. C'est pas de l'adjacent. Oh, putain, les mecs. T'as prié. Tu veux déprier? Bah ouais, ça fait chier votre truc là, les c'est garçons. C'est pour ça, je suis content. Déprie. Alors vas-y, déprie. Non, je suis pas sûr de vouloir déprier. Merci la voix. Il peut y aller lui là. Merci la voix. Là, comment je vais aller là? Oui, bah, tu es obligé d'abord de passer là et ensuite d'aller là. Je peux traverser une zone où je suis? Oui, parce que tu peux y aller en charge si tu veux. Et après, je peux lui poser une question à la dame? Non, tu m'as dit non, tu charges, tu tapes. Non, tu charges, tu tapes, mais là, tu vas faire un déplacement et l'interrogation va être automatiquement. Donc, tu peux. Tu peux faire ça. Lui, il faut qu'il se barre de là. Il peut aller là, mais il ne pose pas de questions. C'est ça. Il va aller là. Lui, il va prier. Moi, je veux passer au niveau. D'accord. Lui, il va rentrer là. Il se déplacera après. Voilà, il va y avoir la petite dame. Ici. T'actives. Voilà. Je vais activer. Lui. Tu veux charger? Prends ton verre alors. Non, mais si je veux charger, c'est ton verre. Je vais me retrouver là. Oui, bah oui. Et le 1, 2, c'est ça. Oui, mais je peux interroger après avec un nouveau truc. Il vaut mieux mettre le verre. Il vaut mieux mettre le verre si tu veux. Comme ça, tu charges. Voilà. Tu charges. Tac, tac. 1, 2. Voilà. Passons par là. Et eux, lui, il va aller là. Lui, il vient là. Et on retourne. Et... Ah, c'est un paysan. Bah, donc, tu recrutes automatiquement un paysan. Bienvenue, paysan. Zut. OK. Donc, ça veut dire maintenant, tu pourras les déplacer. Oui. Alors, là, maintenant, tu vas interroger. Tu es arrivé. Tu n'as pas besoin de dépenser. Ça fait partie de ton mouvement. Ah, d'accord. Bah, j'interroge. Bon. Donc, cette vieille dame dont les hommes d'armes n'ont pas voulu s'approcher. Toi, tu arrives depuis ton haut de cheval et tu lui fais « Que tu fais là ?» Que tu fais là ?» C'est pas écrit en vrai comme ça. Je le reprends. « Que fais-tu là, manante? Es-tu de ce village maudit ?» Ou alors « Hé la gueuse, l'évêque m'envoie trouver sorcellerie ici. Es-tu bonne chrétienne ?» La donne paraît plutôt pas mal. Oh la gueuse! L'évêque m'envoie trouver sorcellerie ici. Es-tu bonne chrétienne? Oui, monseigneur. Et elle te tend une patte de loup empaillée. Cela vous permettra de contre-attaquer une fois les loups. Oh, voilà. C'est pas un piège? Je la décapite. Donc, là maintenant, il va avoir une patte, exactement. Ah bah tiens, elle est là. C'est celle-là. C'est ta patte de loup. C'est donc, ça la patte de loup? Oui. Ouais. C'est-à-dire que tu pourras contre-attaquer contre les loups. D'accord. Hein, une fois. Une fois. Maintenant, j'ai encore deux mous, j'ai encore des cubes. Ce qu'on fait maintenant, c'est que une fois qu'un personnage neutre comme ça a discuté, on le retire. Et maintenant, ça veut dire que tu as la possibilité d'invoquer la sorcière. Et pour cela, le loup. Pour cela, il faut que tu ailles prier dans la crypte. Donc, attends les gars, vous me riez, j'aurais pas interrogé tout de suite moi la vieille folle. Mais de toute façon, j'ai pas de quoi prier. Bah, je vais te taper moi. Allez, je peux jouer encore. Vas-y. Ah mais attends, mais il peut. Non. Ah, il a déjà joué. Il a déjà joué. Sinon, j'aurais repris encore, moi. Par contre, j'ai pas le choix, je peux aller là. Hein. Bah, ceux-là, ils ont pas de cubes. Tu peux aussi Là où Attends, et j'en ai deux, des cubes. J'en ai deux. Si tu vas là, c'est vrai qu'il y en a un qui peut aller là, un qui peut aller là. Je peux aller là avec mon machin. Je pense que c'est ça. Non, il a plus de charge. Ah, ces deux-là, je voyais pas, là. Ouais. Il y a un arbre. C'est pour ça. Non, mais je vais aller réveiller des gens. Je vais faire ça. OK. OK. Purée. Attaque. Tais-toi. Attaque. Lui, il va aller là. OK, révèle. Des loups. C'est des loups. Alors, c'est des loups. Donc, on prend des loups. Et comme ils ne peuvent pas être dans la zone. Il y a bagarre. Non. Ah. Ils vont être mis sur une zone adjacente de ton choix. C'est toi qui le mets sur une zone adjacente. Vide. Vide ou alors qu'il peut l'accueillir. C'est-à-dire qu'il a le droit de la mettre ici. C'est ça. Puisque tu les mets là. Mais là, ça veut dire que. Là, il y a potentiellement encore quelque autre chose. Ouais, là, il y aurait peut-être quelque chose si tu le mets là. Ça se réveille tout de suite. Moi, je veux qu'il aille taper. Je veux qu'il soit tapé par le chevalier. Donc. Tu peux après les taper et ensuite aller voir. Hein. Tu peux peut-être les tuer comme ça. C'est peut-être un moyen aussi de les séparer. Je sais pas comment ça tue. Mais si c'est à nouveau des paysans. Ils n'ont pas de défense, les loups. Ben, si tu veux, là, tu peux tout de suite voir ce que c'est. Si c'est des paysans, tu les recrutes. Ouais. Alors que s'il y a le loup, il faudra que tu combattes d'abord le loup pour pouvoir le dévoiler. De toute façon, il y a des trucs partout. Tu peux mettre là. Mais là ou là, c'est pareil pour moi. Non, parce que là, c'est pas adjacent. Ah oui, c'est vrai. Là. Là ou là? Là
Ou là, ou là. On peut pas les mettre là. Mais les là. Mais ça veut dire qu'eux, ils taperont. Au lieu de, d'aller visiter, comme il y a ils des ennemis. Ils commenceront d'abord pas taper. Leur action, c'est de les taper. Oui, alors Tu peux faire ça. Ou alors, tu peux. Ouais, ah, tu peux les mettre là, bon, merde. Tu les mets là. Vas-y, tape. Ok. Allez, non, non, tu retournes pas. Tu retournes pas. Donc là, maintenant. Eux, ils n'ont pas fait. Voilà, ils vont attaquer les loups. Ah, voilà. Non, non, alors on reste sur la zone. Voilà, on reste dans la zone à côté. Voilà. Et c'est que si les loups sont partis, tu pourras prendre rentrer. Possession de la. Là, je ne peux pas les taper. Là, je ne peux pas les taper. Moi, je vais les taper. Alors, tape. Bagarre. Alors, bagarre. Ce sont mes piquets. Mes piquets. Ils ont. Blanc. Un des blancs. Un des blancs. Et les loups ont rien du tout défense. Donc, si tu fais un résultat qui n'est pas un bouclier ou une face blanche, et ben voilà. Je fuis. Tu as une fuite. Donc, c'est moi qui décide. C'est toi qui décide. C'est moi. Non, c'est toi qui décides. Ah zut. Alors, est-ce qu'il faut qu'il fuit quelque part où il n'y a personne? C'est ça. Il faut qu'il, ou quelque part où il peut les accueillir. Donc là, il n'y a que là, en gros. Bah, là, c'est toi. Hein, bah oui. Ils non, sont avec toi. Ils peuvent aller que là. Que là. S'ils ne pouvaient pas fuir, eh ben, ils sont tués. Va-t'en. Donc, à eux maintenant de jouer. Alors, comme tu les as fait fuir, tu as le droit automatiquement de prendre possession de là sans dépenser de trucs et là tu peux retourner. Ouais, et bien c'est des paysans. Du coup, tes forces ont déjà beaucoup grandi. Ouais, alors attends, il y a eu deux paysans. Ouais. On peut les interroger. Donc il faut prendre une carte de paysan pour le premier. Prends la carte de paysan. Tu les interroges tout de suite? Ouais. Ben oui. Ah. Quand on rencontre des paysans, on lit ce qui se passe. Vas-y, okay. Ils avaient le lire. Ah oui, pardon. Alors. Paysans, pitié, nous ne savons rien. Voilà. Je les égorge. Mais là, voilà. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Donc lui, on n'avait pas besoin de le remettre. Tac. Pitié, je ne sais rien. Mais tain, mais qu'est-ce que c'est que ce village? Écoute, oui, mais bon, au moins maintenant, tu sais que les autres, ils savent tout. Il me reste ça. Tu sais que les autres savent tout. Donc je vais me mettre là. Parce qu'il faut qu'ils avancent. Hein. Mm-hmm. Donc je ne peux pas aller là, on est d'accord. Hein, non, ce n'est pas adjacent. Ce n'est pas adjacent. En fait, ceux qui se croisent ne sont pas adjacents. Il faut passer par une ligne pleine. Ah, si au tour d'après, mais tu vas manger grave. Si je vais aller taper ces trucs, parce que je peux me remettre là encore. Alors, je précise un truc aussi dans les conditions de victoire. Ouais. Toi, tu dois tuer le loup. Ouais. Si le loup-garou arrive à tuer ton chevalier, il gagne la partie. D'accord. Bah oui. Ok, bien sûr. Ils ont pas mais bon, c'est le plus puissant de la partie, c'est le chevalier. Ouais, surtout s'il monte de niveau. Hein, là, il est vraiment très fort. Surtout qu'il a envie de partir là-dessus. Moi, je vais aller encercler le mec. Tu vas bouffer ton prêtre. Mais ferme ta bouche. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais approcher mon chevalier quand même. Je vais faire ça. Mmh. Tu vas tomber sur des loups qui vont te bouffer le cheval. Mais t'as raison. Tu vas finir à pied. T'as raison. Dans quel ordre je fais ça? Je vais faire ça. Pitié, je ne sais rien. Oh, des loups! Tiens, je te l'avais dit. Fais venir des loups. Alors, tu les fais reculer où? Voilà. Bah, écoute, on va les faire reculer. Où est-ce que tu veux que je les fasse? Là, là ou là, parce qu'il y a encore de la place. C'est ça. Ça, c'est des maisons à deux sur une tuile qui en contient potentiellement 6. Ok, et maintenant, il y a à lui de bouger. On est d'accord? Okay. Ouais. Tu vas rejoindre tes hommes d'armes? Bah, je vais me gêner, tiens. Oh, quel pétochard! Il n'ose même pas sortir tout seul avec son cheval et son armure rutilante. Tac, tac, et tac. Exactement. Vous avez... Et ça, ça vient. C'est viré. Bah, bravo. Voilà. Ok, on va finir le tour 1. On va finir le tour 1. Ok. Tour 2. Tour 2. À nouveau, 3 cubes chacun. Ok. Bah, 3, c'est pas beaucoup, ma bonne dame. Alors, ça, c'est viré. Ouais. Voilà. Tiens, elle est là, la défausse. Voilà. Et on va faire 3 de plus. On va les mettre plutôt comme ça. Non, parce qu'on va se perdre. On va les mettre comme ça. Voilà. Allez. Un. Et c'est toujours lui qui décide. C'est toujours lui qui décide en premier. Mais tu peux prendre la même carte que lui. Hein. Non. Voilà. Alors, le rouge, c'est de l'activation. Le rose, c'est quoi? Redis-moi le rose. Le rose, c'est un rejouet. Un rejouet. Et puis, de noir et tout, il en reste encore. Il faut absolument que j'ai de la valetaille. Sauf que visiblement, cette valetaille, elle va être loin. Hein. Ah, la coche. Rejouer, ça veut dire que je peux activer une même zone une deuxième fois. Si j'en trouve un petit peu, deux pour l'instant, ça serait pas mal. C'est combien pour faire venir la sorcière? La sorcière, il faut que tu pries dans la crypte. Donc, juste ça et elle ouais, vient. Alors, pour trouver la crypte, il faut que tu fouilles dans l'église, bah oui, tu sûr. Passes une action et à ce moment-là, quand la crypte se révèle. Et tu peux y aller. Toutes les zones à l'intérieur d'un bâtiment sont adjacentes automatiquement. Tu n'as pas besoin de te déplacer dedans. Oh purée, donc, il est en train de me mettre la pression là, son chevalier. Il est avancé comme une grosse brute. Ah bah, il est avancé, il va grimper un niveau. Je veux dire, c'est le chevalier… Voilà, le
quand il est arrivé là, il a senti la présence divine dans son dos qui le poussait. Ah, mais dans ton dos, ouais, c'est sûr. Allez, joue. Pour payer le coût d'entretien, tu sais que de toute façon, tu peux produire du jaune facilement avec ton prêtre. Ouais. Hein, faut quand même Alors, le prêtre, donc il peut prier n'importe où et faire gagner un point d'expérience ou un point de mythe. Il peut aussi, quand il interroge les paysans pour savoir si c'est le loup, il ne lui mente pas. Donc c'est le seul. Alors mais il faut quand même qu'il a, il faut lui mettre des cubes rouges pour qu'il fasse ça. On n'en a pas beaucoup, les cubes rouges. Non, non, c'est vrai. Non, mais c'est des choix. Le scénario peut évoluer de plein de façons différentes. Oh, punaise, qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre un rouge. Je vais prendre un rouge, s'il te plaît. D'accord. Rouge de plus. Voilà, un rouge pour à toi. Moi. Alors à toi, que prends-tu? C'est quoi la différence entre le rejouer et le cube rouge? Tu rejoues quoi? Le rose, tu peux le remettre sur une case où il y a déjà un cube rouge. Donc, il vaut mieux prendre un rose qu'un rouge. Ça, c'est certain, puisque le rose, tu peux le jouer en rouge normalement, de toute façon. Sûr. Mais par contre, le vrai choix qui se pose à toi, qui s'offre à toi, c'est est-ce que tu veux prendre des mythes ou de l'expérience pour mais en avoir 5? Je voudrais qu'il avance, mon bonhomme, si tu veux, là, à l'heure actuelle. Donc il peut prier en rouge et rejouer en rose. Bah ouais, mais bon. Ah oui, c'est bien ça. Sauf que je peux le faire évoluer tout de suite, mon bonhomme. Oui, mais après, il faut l'entretien après. Eh oui. Non, mais il suffit de pouvoir le payer à la fin du tour de la rivière, l'entretien. D'accord. Mais oui, à la fin du tour de la rivière. À la fin du tour de la rivière. Donc tu peux très bien avoir des cubes d'expérience après la rivière. Ah oui, c'est vrai. Pour payer. Juste, enfin pas à la fin du tour de la rivière, à la fin de l'étape de la rivière. Ouais. Non, faut que je fasse forcément. C'est quoi ce truc bleu là? On ne sait pas. C'est ma zone de spawn. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Moi, je veux que mon prêtre il avance. Donc je vais prendre un rose. Un rose. Ouais, bien sûr. Ok, c'est à moi de jouer. Est-ce que, enfin, à quel moment je peux envoûter les paysans? Quand je les dévoile uniquement? Non. Ah, ceux qui sont là, ils peuvent être envoûtés. Oui. Avec un cube noir. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je me foute? C'est de la piétaille. Elles sont mauvais en plus. Alors attends, mes citoyens. Juste comme ça, hein, je pose le cube noir et ils sont à moi. Oui. Fais ça. Alors, attends, il y a Tu poseras le cube noir sur eux pour qu'on les reconnaisse. Pas sur eux, puisque eux, ils sont avec quelqu'un. Ah oui. Donc eux, pour l'instant, ils sont coincés. Okay. Uniquement sur une troupe libre ou que tu viens de rencontrer. Ouais. Mais quand elle est accompagnée, non, tu les envoûtes pas. Et là, pour l'instant, il faudrait déjà que tu sortes. C'est ça. Pour être dans une zone adjacente. Ouais, pour pouvoir leur parler et faire ça. Mais ça pourrait être une bonne idée. Hein. Ça pourrait être une bonne idée. Après, tu as ta carte. Hein. N'oublie pas ta carte mythe. Tu en as une? Non. Tu n'as pas de carte mythe? Non, pas encore. D'accord. J'ai pas pris de carte mythe. C'était pas. Ça, c'est à moi, ça. Hein. Non, j'en ai pris deux. J'ai pas pris la carte mythe. J'ai pris deux, deux pions noirs, deux pions mythe d'un coup. Ok, non, mais c'est bon alors. Et ça bouge de zone en zone, on est d'accord, hein? Oui. Pour révéler ici, il faut que ce soit un de mes citoyens? Oui. Ah, la poisse. Ou la sorcière. Ou la sorcière, bien sûr. Ou le loup-garou quand… Quand il sera là. Comment il peut révéler le loup-garou à tout moment? À tout moment, tu peux dire « je révèle le loup-garou ». Parce que toi, si tu tues un innocent, tu perds un tour. Ouais. On va prendre la carte, hop. Donc, tu as moins de chances de y arriver puisque ça devient plus difficile. Tu peux révéler ton loup-garou à tout moment. Si tu tues un villageois qui est le loup-garou, à ce moment-là, il se transforme en loup-garou automatiquement. D'accord. Ah oui, d'accord. Et si tu le dévoiles, il est obligé de se transformer immédiatement en loup-garou. Okay. Bon, allez. Dans la maison, oui. Je vais sortir. Tu sors. Donc là, on retire ça voilà. Et on met la maison. C'était la grande. C'est ça. Ensuite, je vais envoûter les paysans. Voilà. Voilà qui est fait. Mais non, regardez cette engeance du démon qui présente un visage angélique avec une barbe pareille. Ouais. Ok, donc ça veut dire que eux maintenant peuvent être activés. Oui. Bon, je vais garder ça. Lui, je l'active. Il se déplace ici. Oui. Je révèle. Tu révèles pas, tu peux regarder. Ah oui, c'est vrai. Et tu dis si ça te plaît ou si ça te plaît pas, tu peux aussi en échanger sans montrer avec un autre que tu ne regardes pas. Ou alors tu le laisses comme ça ou tu le révèles. C'est comme si je l'échange, je ne peux pas le révéler tout de suite. Ah non, si tu l'échanges, tu ne le révèles pas. Et puisque tu l'échanges. Pourquoi l'échangerait-il, Fal? Je ne sais pas. Tu sais qu'il y en a un, c'est un super indice, hein. Donc, s'il l'échange, ça peut être parce que c'est le super indice. Ouais, donc, ça, c'est fait. Il l'a mis là, hein. Ok. Et là, il a mis ça quelque ici, chose. Mais il ne sait pas ce que c'est. Non, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite.
C'est pas le loup-garou le plus rapide du monde. Tu m'embêtes. Mais forcément, tu m'embêtes. Non, c'est pas la peine. Si, casse-toi. Hop, lui, il va ressortir. Hop, on retire. Oui, tu laisses dans la maison celui qui est le loup-garou, donc c'est le jaune. Arrête. Ok. Tu la reconstruis à l'envers, la maison. Et puis, lui, il va se déplacer. Mais loup-garou, ouais, non, faut qu'ils attaquent. Hein. Ouais, ils vont attaquer. Allez, tiens, ici. Qui attaque ? Le loup-garou. Il attaque qui ? Là. Il attaque là. Donc, ouais. Il attaque, bah voilà. C'est une attaque de loup. Blanc. Alors, les loups sont assez troupes. Ouais. Donc, lui, on va voir déjà son attaque. Il a un jaune et un blanc. Okay. Et toi, en défense, quels sont tes... Moi, j'ai les piquets, donc j'ai un jaune. Tu as un jaune, donc je te donne et un pour, jaune. Et pour, c'est quoi, les paysans ? J'ai rien. Que dalle. Okay. Voilà. Mais tu pourras répartir, tuer les paysans. Il lance d'abord ses dés. Va mourir. Ensuite, il fait éventuellement sa relance s'il veut. Ensuite, tu lances ses dés et tu fais éventuellement ta relance. Okay. Que dalle. Un bouclier. Un bouclier et rien. Voilà, c'est bon. Ils t'ont attaqué. C'est donc très tu bien. Peux lancer, mais ça ne sert à rien. Ah, je peux pas lui faire mal en contrepartie non, dans c'est sa pas gueule. Bam. J'aurais pu je peux fuir si je veux. Non, non. Ah si, pourquoi je pourrais pas fuir c'est ça moi. Me fait me déplacer. Non. C'est un résultat d'attaquant. Qui est l'auteur? Est-ce que l'auteur est dans le coin? Bah, tu m'attaques, tu fais ça. Je suis désolé. Tu fais ça, bah moi je sais pas, d'accord. Tu vas rater. Donc tu fuis ici. Bah c'est que c'est lui qui décide. Oui. Ah, d'accord. Donc on va pas fuir. L'auteur peut rester dans sa tanière. À moi? Ouais, vas-y. Il a fini, tiens, tu retires. Alors je vais faire un truc, je ne sais pas. Je ne sais pas si pour la démonstration, moi ce que je décide c'est de tout stocker. Je peux faire ça, Tu peux faire ça. Non, tu penses stocker que 3D. Ah oui, non, t'as un rose. Ouais, c'est de la place. Alors, en réalité, puisque c'est un prototype, on pourra en stocker 3 de chaque. D'accord. Hein, donc, le rose serait un rose ici. D'accord. Un rose mais j'ai ici. Le droit de faire ça pour le tour d'après. Mais bien sûr. Si je veux. Mais bien sûr, tu peux faire ça. Ça te fait peur, hein? Ah, pas du tout. Mais si, ça te fait ça peur. M'arrangerait même. Mais pour, t'as raison. Parce que t'as fait que de la merde. À tout dire, ça m'arrangerait non. Que tu ne fasses rien à ce tour-là. T'as fait que de la merde. Non, ce que je vais faire. Je peux le faire parce que c'est bien, t'as plein de cubes, faut bien que ça serve à quelque chose. Ah bah après, ça te fait un super après, tour où t'as plein de trucs à faire. Je me déplace, je t'arrache la gueule. Imagine qu'en plus ce soit un 2 derrière. Ah non, lui il aurait deux cubes sûr, et toi t'en aurais. D'accord. Mais je crois que c'est ce que j'ai prévu depuis le départ, donc je ne vais rien faire. Voilà. Okay. Mon tour est terminé. Alors ça, c'est rare de voir ça. C'est une tactique que nous n'avons pas encore vue. Tactique de gestionnaire, ça ne me surprend pas. Nous allons voir. Un petit seigneur local qui. Ferme. En bon père de famille. Allez, nouveau tour. Nouveau tour. 2 Tiens, je te donne tes 2 et moi je prends mes 2. Alors Léo, si je ne te connaissais pas, je serais pratiquement sûr que c'est toi qui as mis la carte. Mais bon, mais je te connais. Tu sais que non. C'est bon. Voilà. Maintenant, nous allons choisir. La rivière. La rivière. Oh, il n'y en a que pour les enfoirés. Oh, je n'aurais pas pu rêver mieux. Alors, attention. Là, il y en a 2 qui sont pareils. Donc, on va la remplacer par une vas-y. Voilà. Le bleu, c'est. Un bleu, c'est. J'interromps. Ton tour. Tu pourras couper mon tour. Alors, il y a soit piocher 2 cartes mythes et en garder une, ouais. Plus un noir. Ouais, donc là, tu en choisis une des ouais, deux. Ouais. Soit plus un bleu, ouais. Soit plus 3 expériences. Ouais, toi, t'as la tactique miteuse. Je vais prendre deux mythes. Tu prends 2 mythes. 2 cartes plus, mythes, plus un noir. Plus un noir. Et oui, lui, le loup-garou a choisi plutôt la voie de la magie. Ouais, bien sûr. Alors, toi, tu as choisi la voie de l'expérience. Tu prends les 3 jaunes. Ouh là 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 là. Je vais garder ça. Ils peuvent tous... non, j'en ai qu'un qui peut augmenter. Hein. Et je la remélange. Oui, il n'y a que le... Dans ce scénario-là, il n'y a que le chevalier qui peut augmenter et le loup-garou. Et le loup-garou. Alors, tu me la montes, ta grosse mythe? Mais non, pas du tout. Pour l'instant, tout d'accord. Va bien. Alors, là, maintenant qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il faut que je l'active pour que ça soit révélé? Dès que tu l'actives, tu le révèles. Il va être révélé. Okay. Et tu pourras faire quelque chose quand même. C'est notre troisième tour, là. C'est le troisième tour. Il lui reste donc 3 tours pour réussir à je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Attendre la levée de la lune, de la pleine lune. Et là, alors là, je te bouffe. Okay, bah j'arrive, je te bouffe. Tu as raison. Donc, ça veut dire que lui, il est là, il a tout plein d'actions. Bon, déjà, lui... Ça veut dire qu'après, il faut qu'il... Parce qu'il ne sert pas que le loup-garou. C'est qu'il n'a pas beaucoup de cubes d'action. Ben non, c'est bien sûr. Parce que, si tu veux, je l'ai vu sortir les mecs des maisons. Ben oui, bien sûr. Normalement, il va laisser le loup-garou planqué dans une maison, tel le lâche. Mais là, il est encadré, donc il n'a plus le choix que de se carapater. Et mais moi, j'ai 12 cubes. Donc, si tu entoures une maison où à l'intérieur avec quelqu'un, il ne peut pas sortir. Oui, je sais, mais là, je ne peux pas. Il faudrait 25 tours. Je sors. C'est bien, là, t'es bien, là. D'accord. Tu as dépensé ton premier cube. Ouais. Il était dedans, hein. Tiens, je te le rends. Tu me le rends.
Mon deuxième cube. Vas-y. Va dans l'autre maison. Dans l'église. Vite, je vais aller à la crypte. Je vais. Donc, cette troupe-là, elle va ici. D'accord. Je ne peux pas rentrer tout de suite. Hein. Bah, non, ah, non. D'accord. Bah, ouais, non. C'est con. Et puis, là, il y en a deux, hein, c'est ça. Voilà, là, il y en a deux. Et avec cette action. Que fais-tu avec le loup? Le loup, lui. Il va attaquer. Il va attaquer. Et oui, il attaque. Il va attaquer là, les paysans. Moi, j'ai mon paysan. Enfin, c'est mes piquets. C'est pas ouais, c'était piqué. Voilà, mes piquets, jaune. Ils ont un jaune. Et toi, tu as un blanc. Et... Alors, il commence d'abord. D'abord, l'attaquant. Allez! Ah, un coup de gourdin. Touche. Alors, attends. Gourdin, va mourir. Allez, meurs. Pas de bouclier. Rien. Oh, bah, yes. Les paysans, ils bon, sont alors, morts. Attends. Ah. Donc, comment ça se passe? Là, il y a eu, tu as eu qu'un seul résultat. Il y a ouais, un oui. gourdin et c'est toi qui dis qui meurt. Qui... Eh ben, c'est les paysans, je m'en fous. Alors, ils ne meurent pas. Ils vont dans la zone hors de combat. Bien joué. À la fin du tour, on verra. Ils peuvent revenir. Est-ce que tu fais autre chose? J'aurais bien voulu. Mais non. Alors, comment je gagne de l'expérience? Tu me donnes. Voilà. Tiens. Alors, toi, c'est simple. À tout moment, pendant ton activation, tu peux dépenser. Pour qu'il soit plus fort. OK. Donc, je vais commencer par… Alors, s'il passe, tu as vu que tu auras des relances, sûr. Relancer. Mais d'abord, il faut que mon prêtre arrive, parce que lui, quand le prêtre pose des questions, on est obligé de répondre. C'est ça. C'est-à-dire que quand je vais rentrer dans une zone… Et qu'il y a... autre chose, le prêtre peut également désenvoûter des prêtres, des paysans. Ouais, mais ça, je m'en fous, ils vont rester envoûtés. Automatiquement. Moi, le but du jeu, c'est de savoir lequel des quatre est le loup-garou. Yes. Donc, si le prêtre entre dans une case où il y a deux personnages… Quand on arrive… deux d'un coup. Ouais, mais là, il posera une question à un seul. Ah, d'accord, c'est une question mais par activation. Par contre, n'oublie pas aussi un truc, c'est qu'à la fin, quand il n'y a plus de cartes de tour, tu t'en fous, tu es des innocents, puisque de toute façon, tu ne pourras pas faire virer de cartes. Donc, bouge. Attends, je vais réfléchir si c'est ça. Bouge. Si lui, il rentre dans une case, il pose aussi des questions. Oui, il pose des questions. Mais on peut mentir. Non. Chevalier, tu mens pas. Si il a une chance sur deux que tu sois obligé de lui donner la bonne réponse. D'accord. Attends, si je fais… Ah oui, il lance le dé. C'est ça. Deux. Trois. Si j'en fais trois, si je fais ça. J'en mets un ici, il va aller là. J'en ai mis deux. C'est vrai. Ça. Okay. Tu l'auras fait courir. Après, hein. Je mets ça là-dedans. Ils peuvent tous bouger. Ils peuvent tous rentrer là ou pas là. C'est quoi là, la zone là? Non. C'est elle n'est pas adjacente. Non. Oui, c'est donc, fermé. C'est la forêt ou la petite maison. Je mets là, ils vont aller dans la forêt. Oui. Tu mets dans la forêt, ils vont sur la case. Je mets la forêt, ils vont sur la case, il me restera tout ça. Oui, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc, ce que je vais faire ça. Punaise, mais il se déplace super trop rapidement. Il est fatigué là, le prêtre. Il peut plus. Stop. Oh, alléluia. Quoi? Oui. Ah oui, mais si, il y a des ennemis. C'est pas les ennemis, là. Non, c'est. C'est pas pour leur rentrer, c'est pour leur poser des questions. C'était pour aller les attaquer. C'est pour leur poser des questions. Sinon, je peux jamais leur parler à ces cons-là. Non, c'est une case adjacente. Une case adjacente. Mais il peut. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu te mets là et tu peux les interroger pour une action. Ah, voilà, d'accord. Donc, je fais ça. Là, tu viens là. Voilà. Oh, ça va? Oui, ça va bien. Tout va bien. Donc, je fais ça. Ils vont tous là. Voilà. Donc, le premier qui rentre. Hop, tu peux réveiller. Des loups. Dégage. Alors, tu les mets où? Dégage. Tu mets dans une zone adjacente. Donc, dans l'église, parce qu'il n'y a que celle-là qui est possible. Non. Et c'est quoi ça, là? Mais là, c'est un champ. Tu ne vas pas les mettre dans un champ pourri. Les pauvres loups. Voilà. Donc, lui, il va rentrer là. Ok. Et lui, il va rentrer là, puisqu'il y a que c'est une 4. Ah, s'il y a toujours de la place. On est 4. Vous êtes pile 4. C'est parfait. La zone est saturée. La zone est saturée. Elle est saturée, la zone. Voilà. Mais. Tu lui fais un bisou? Viens. Je vais faire ça. Voilà. Et là, tu choisis dans quel ordre tu fais tes actions. Alors, le prêtre, on est bien d'accord, il rentre. Non, il pose une question à distance. Je choisis l'un des deux. Oui. Mm-hmm. Et je fais. La question, c'est du genre. T'es un loup-garou? Eh, le jaune, quelle est la taille de ton sexe? Non, c'est pas ça. C'est pas... Alors, je réponds, puisque t'as posé ta question. Donc, je demande au jaune. 4 cm. Dis donc, maintenant, tu sens le mal. Et tu sens le loup-garou. Es-tu le garou jaune? Eh bien, j'ai pas de jaune, donc tu t'es planté. Comment ça, t'as pas de jaune? Mais non, je déconne, il est là. Donc c'est pas le loup-garou. D'accord. J'ai le droit de le taper en retour, puisqu'il me pose des questions vraiment indiscrètes. Non, pas tout de suite. Hein. Non, je sais bien. Si. L'ecclésiastique. Donc lui, il a posé sa question, c'est fini. C'est fini. Maintenant, tu peux faire une action avec un deuxième personnage. Il y a le seul chevalier qui peut poser des questions. Oui. Mais si là, le chevalier rentre, il peut me mentir. Oui. Mais tu lances le dé. Non, il peut pas te mentir. C'est-à-dire que tu sais, il va pas te mentir. Soit tu as raté ta question. Ah, d'accord. Mon chevalier interroge le rouge. Interroger le rouge. Et donc, il faut que tu obtiennes un bouclier pour qu'il soit obligé de te répondre. Bouclier.
Et non, ah, c'est gourdin. Tu as une relance, si tu veux. Ah, j'ai une relance ? Où ça ? Là. Ah bah, je vais le faire, tiens, je vais me gêner. Oh, mais tu l'auras plus après. Attends, et puis je peux même refaire ça, si je veux. Non, ça, c'est pour les batailles. Ouais, c'est pour les batailles. Batailles. Allez. Purée, j'ai le cœur qui tape. Non, gourdin, je vais te péter ta gueule. Et lui, il peut pas poser la question, le... Non. Par contre, il peut taper. Il peut taper. Il peut taper sur quoi ? Bah, il peut taper, par exemple, sur le jaune, parce que si tu te dis que c'est, tu penses que le jaune est le loup-garou... Mais non, il m'a dit non. Non, je viens de dire non. Non, ah, non, sur le rouge. Rouge. Ah oui. Tu tapes le rouge. Non, non, mais là, il n'osera pas. Il faudrait être couillu, parce que ça se trouve, il perdrait un tour s'il fait ça. Oui, mais là, si c'est le loup-garou, il est... En gestionnaire de bon père de famille, il ne le fera pas ce tour-là. Non. Ah. Ah, oh, 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 oh. Alors ça, taper c'est gratuit, je vais taper sur des loups là, c'est gratuit. Ah bah, ça. Bien sûr. Oui, ils vont taper sur des loups, il n'y a pas de raison que mes... C'est quoi, c'est mes... C'est des hommes d'armes. Ce sont tes hommes d'armes. Ils vont, taper rouge. Ils vont taper pour se faire plaisir. J'ai pas de défense. Tu as un rouge, hein, oui, c'est rouge, ça ouais. Pas de défense. Boum, porte l'épée dans ta gueule. Mais tu le retires et tu gagnes de l'expérience. Ok. Maintenant, je vais jouer mon rose qui me permet de rejouer une case où je suis. Ça c'est vil. Ah bah j'avais prévu. Bien sûr. Mon prêtre. Oui. Va demander au rouge. Rouge, are you the werewolf? Tu sens mauvais. You know you are disturbing me. A lot. Je vois ta queue qui bouge. Pourvu que je ne me sois pas planté de couleur. Ah, ce n'est pas lui. J'ai bien fait de ne pas taper maintenant. Ah, ils ne sont pas là. Ah bah, il ne reste plus que deux possibilités. Hein. Donc, maintenant qu'ils ont fait ça, les deux autres peuvent se déplacer. Absolument. Vite, cassons-nous. Je ne peux pas rentrer dans la case où il est. Non. Non. Parce que je suis pas tes potes. Tu peux me taper, hein. Mais c'est des innocents. Oui. Ça, c'est dommage. Mmh, c'est dommage. Ouais, tu vas voir ce que je vais te faire. Alors, évidemment, si les villageois t'attaquent, ils ne sont plus innocents. Ah, oui, là, tu as le droit de les taper sans perdre de tour. Hein. Rien à foutre. Donc, ce que je vais faire, c'est que lui, il va aller là. Ah non, je pourrais pas rejouer là-dessus. Non, tu pourras pas rejouer. Et tu seras déplacé. Ah, et là, je pourrais pas rentrer parce qu'il n'y a rien derrière. Plan se déroule sans accroc. Mais tais-toi. Tais-toi. Ça va mourir. Putain, il faudrait que la sorcière, elle vienne. On va aller se planquer dans l'église. Que le Seigneur vienne à notre secours. Il va aller là. Et aussi. Il va aller là. Voilà. Et il me reste un rouge. Que tu peux mettre de côté. Si que je peux mettre de côté ou que je peux utiliser. J'ai une chance sur deux. Non, c'est plus à moi ça. Non. Je vais le mettre de côté. Tu le mets de côté ? Ouais. Ouh la vache ! Une espèce de pression là, j'ai eu chaud. Et tu n'évolues pas, hein, pour l'instant. Je peux évoluer n'importe quand. N'importe quand, pendant ton tour. Ah, pendant mon tour ? Bah, je vais... Après, tu peux plus charger, hein. Quoi ? Si ? Niveau 2, il peut charger quand même, si c'est pas marqué ? Ah oui, oui, la charge, bien sûr. Ouais, parce que s'il décide de m'attaquer avant, je préfère faire ça. Après, c'est un par tour de... D'entretien ? Ouais, ouais. Allez, hop. Donc, tu montes de niveau, hein ? Bah, ouais, tant qu'à faire. Ok. Il a interrogé deux pecnos, il se sent fort, là, ça y est, hop, là, son armure, niveau 2. J'ai fait du nettoyage. Oui. Il me reste plus que, tu vois, une chance sur deux maintenant. Une chance sur deux, mais ils sont loin. Ils sont loin. Allez, vas-y. Allez, nouveau tour. Allez, c'est le quatrième. Hein. À nouveau deux. Non, mais non, pas deux. Purée, il reste un 3 et un 4 pour la fin. Oh, c'est chaud. Eh, j'ai quand même pas de bol, quoi. Bon, c'est pas grave. Vas-y. C'est pas grave. Alors là, dis donc. Hein. Alors, que veux-tu tuer ? Je veux rejouer. Ah bah, moi aussi, tu vois. Bah ouais. Bon. Tu peux mettre celui-là. Ouais, t'inquiète. Moi aussi, je croyais vraiment que... Ah bah, il y en avait un des deux. Non, mais de toute façon, il fallait bien que je commence par quelque part. Ils, ils sont là-bas. Ça paraissait... Le problème, c'est que je pouvais rentrer nulle part. Donc, je suis obligé de faire le tour maintenant. Mais je vais le faire, le tour. Et jamais il arrive des cubes de charge que je puisse courir. Si, si, il y en a. Hein. Je vais bien remélanger le reste de la rivière. Non, mais ça ne change rien. Ok. Je vais utiliser... Si, si, il y en a des cubes de charge. Est-ce que je dois faire ça ? Est-ce qu'il faut que je fasse ça ? Est-ce qu'il y a besoin ? La panne de lapin, ça me sert à quoi, hein, quand je me fais taper ? Tu contre-attaques des loups. Ah, quand ils vont me taper, voilà, je dis non. Ça. Non, tu contre. Ah, je contre-attaque. Tu, oui. Voilà, tu pourras lancer un dé. Tu lances derrière. Ça sert à rien, quoi. Guillaume, libère la bête qui est en toi. Allez, libère. Ah, est-ce que je fais ça, bon sang ? Ah, t'as chaud au cul, là. Ouais, un peu. Bon, t'as pas une carte mi, t'as joué ? Allez, j'active. Allez, okay. Barre-toi, sauve-toi. Donc, j'active. Oui, tu actives. Donc, début des paysans. Et alors, ils font quoi ? Ah, bah alors là, ils sont de mèche avec lui tout de suite.
s'il dépense un cube de ce qu'il fait. Donc, voilà. Donc ils sont deux mèches avec moi, ce qui fait qu'ils sont activés. Oui. Non, ils ne sont pas activés. Ils arrivent. Ah, le fait qu'ils viennent d'arriver. Tu peux les activer. D'accord, ok, oui, parce qu'ils sont avec moi. Ah oui. Oui, viens mettre un barrage. Je croyais que tu disais ils sont activés, je ne peux plus les bouger. Ouais. Non, ils ne sont pas activés. Ils sont avec toi. Et on a ces paysans-là qui étaient à lui, on ne les a pas fait revenir à la fin du tour. Tout à fait. Mais ils reviennent tout de suite. Hop, donc là. Ils sont à moi. On a bien fait de le faire. Hein. Bon, ils sont à moi. Donc. Ah oui. Donc, ils sont activés. Ils vont ici. Et lui, pendant ce temps-là, il va ici. Okay. Donc, alors, tu regardes. Ah, tu les échanges directement. Ouais. Ils sont là. L'indice est là maintenant. Okay. On est bon? Non, parce que je n'ai pas terminé. Alors, que permettent les gros indices? Oui, c'est vrai. Quand tu as deux rumeurs, tu peux interroger directement. Ah, d'accord. Et dire, il est obligé de te répondre. D'accord. Sinon, avec un point d'indice, tu peux aller chercher des choses qui vont t'aider dans les ruines ou dans le calvaire là-bas. C'est bientôt fini là, c'est terrible parce qu'il ne me reste pas grand-chose parce que je ne peux, peux pas aller dans l'église, je peux pas. Est-ce que je vais prier? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que je chope la sorcière ou est-ce que je la joue contre bourrin? Contre bourrin. Ouais, je vais la jouer contre bourrin. Donc j'ai activé. Lui vient là. Oui. Et lui vient là. Tu veux me faire perdre du temps avec le jaune. Hein. C'est ça. On est bon? Non, pas encore. Eux aussi, ils sont avec moi. D'accord? Et puis, je pourrais utiliser ce rejouer pour faire quelque chose. C'est ça, hein? Oui. OK. Eh bien… Tu peux l'utiliser en rouge, donc, aussi, si tu veux. Je peux l'utiliser en rouge. Si je tue un innocent, j'ai perdu. Non, tu perds un tour. Tu perds un tour. Je l'utilise sur mes deux troupes de paysans envoûtés. Pour lui taper sur la gueule à lui. Mais t'as raison quand tu dis que le loup-garou est un peu avantagé dans le scénario de départ. Pas du tout. Alors ça, c'est faux. C'est juste que je me suis barré intelligemment. Je veux bien deux jaunes, enfin un deuxième jaune s'il te plaît. Non, pardon, en D, puisque je la tape. Je tape ces piquiers qui ont un jaune de défense. Vas-y, tape, je m'en fous. Va mourir. Tu fuis ou bouclier? Donc bouclier, c'est rien. Et je fuis, mais si j'attendais, ça sert à quelque chose? Ben si t'as un bouclier, tu fuis pas. Tu annules. Non. Non, tu fuis. C'est moi qui décide? Ouais, vas-y, fais fuir. Tiens, trace. C'est parfait. À moi? J'aime pas que tu dis c'est parfait. En fait, c'est là. Non, non, je déconne. Je m'en fous de ton truc là, mon pote. Allez, je fais le ménage. Purée, il faut que je t'envoûte encore un maximum. Il faut que tu perdes du temps. Pardon. Donc, je sais que c'est pas le rouge et pas le jaune, c'est ça? Ouais. Donc, il me reste le bleu qui est là. Et le rose qui est là-bas. Et le rose qui est là-bas. Ils m'auront pas. Et surtout, il reste des 4. Il reste un 3 et un 4 dans les activations. Ok. Par contre, ta charge. Ah oui, mais non, t'as pas de verre. Il peut en avoir avec la rivière. Oui, c'est vrai. Hop. Il n'y a plus personne dans l'église. Hein. Bambi, c'est papa. Le rouge. Ah oui, le rouge aussi, c'est un innocent. Ouais. Il me reste le bleu, par contre, je peux aller du bleu là. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Tu rejoins le prêtre. Il fait des allers-retours, en fait, chevalier. Il n'a pas vraiment compris où il voulait. Bah ouais, il n'a pas compris, ouais, c'est ça, ouais. T'as raison. Ah oh. Ah oui, c'est pas ça, c'est ça. Ah oh. Ouais, tout à fait. Ça, c'est le rouge, c'est ça? Ouais. Mm-hmm. Le rouge, je sais que c'est pas lui. Hein. Mais là, il y a le bleu. Ouais. Donc, t'actives? Le prêtre. Oh là, maintenant, derrière la petite maison qui se cache. Hein? J'ai le droit de lui mentir au prêtre? Jamais. Non. Jamais? On ne ment pas à Dieu. Est-ce toi le vil loup-garou? Ou l'abruti qui veut faire croire. C'est l'abruti qui veut faire croire. Ça n'est pas lui. Donc, ça veut dire que l'autre, le loup-garou, se dévoile automatiquement. Il est là. Et donc, il est là. Vous ne m'aurez pas. Et donc, on va vérifier quand même. Retourne bien, c'était bien le rose. Donc là, je suis emmerdé parce que tu as mis des innocents qui passent. Exactement. C'est un peu chiant, ça. Ils ne mourront pas jamais. La voix parle. Ah, merci! Ah, ben quand même, là! Mais là, non! Là. T'as plus de rose, de toute façon. T'as pas de rose pour rejouer. Ah, d'abord, mais ils n'ont pas joué, les Ils n'ont pas joué, eux, d'accord? Ouais, ils n'ont pas joué. Alors, De toute façon, c'est loin, donc je vais arriver. Hein. Donc, on va dire que. Faut déjà taper. Mais lui, il est tout seul. Bah oui, il faut déjà taper si tu veux prendre la place. Ben, je vais te taper, Bah vas-y, tape. Lui, là, lui. Ouais. Tu pourrais même faire attaquer les deux si tu veux. Mais l'un après l'autre. Non, tu peux faire. Il faut que tu dises avant s'il s'associe pour attaquer. Si lui l'attaque, ce que je veux, c'est que lui aille là après.
Je vais pas de toute façon, si tu, si tu le tues ou si tu le fais reculer, tu prends automatiquement possession de la... Et après, j'ai mon action. Et après, t'as une, tu auras... Donc, en fait, tu dois décider combien attaque. Okay. Si, à la suite de ton attaque, lui est tué ou est déplacé, ça revient là. Les deux arrivent automatiquement là. Oui, mais après... est-ce que lui, il aura perdu son tour? Parce qu'il a parce que là, là, j'ai, là, il a une action. Lui n'a pas joué et lui n'a pas joué. Si tu les as fait attaquer, ils vont venir tous les deux. Oui, d'accord. Ah oui, donc c'est comme un mouvement, ça c'est comme un mouvement. Ouais. Si tu es sûr de vouloir venir ici, il vaut mieux que tu les fasses attaquer tous les deux. Je vais être sûr de venir là. Et en plus, je vais. Non, il a évolué. Oui. Ah ben on y va alors. Mais t'as pas payé. Mais c'est à la fin du tour, il aurait évolué tout à l'heure. À la fin de la rivière. À la fin de la rivière, il a raison. Ah bah tiens. Tiens. M'en fous, j'en ai prévu deux pour tenir jusqu'à la fin de la partie, donc ça va. Ouais, donc les deux te poutrent ta gueule. Alors. Donc j'ai deux rouges ici. C'est ça. Et les autres, c'est les hommes d'armes. Trois rouges. Moi, je m'en fous parce que mon citoyen, il se défend avec un orange. Avec un jaune, pardon. Et avec un jaune. Avec un jaune, tu vas mourir. Regarde. Mais non. Bam. Une. Épée, gourdin, bouclier, j'ai la totale. Ouais, normalement, je peux pas t'avoir. Mais non, parce que. Ah, punaise. Oh, ça va être beau. Il va mourir. Allez. Bon, ça et va. En plus, il fait pas. Attends. Ah. Non, j'utilise pas la relance. Bah, tout ça, il meurt. Il meurt, c'est-à-dire qu'il peut même pas, il est même pas hors combat hein, avec l'épée. Hein. Non. Et il meurt. Voilà. Merci, j'ai de l'expérience. Et les deux vont ici. Voilà. OK. Et là rejoue si tu veux. Mais je peux. Ben oui, je t'en prie. Je peux, parce que je préfère venir là. Ah ouais. Si tu veux, comme ça, je révèle ça et c'est pas toi qui le révèle. Si c'est un super indice, je te pète ta gueule. Mais si c'est le super indice. On s'en fout, ça peut arriver. Ah si, si, ça peut te servir. Parce que tu vas avoir deux points de rumeur. Ouais. Et ces points de rumeur, soit tu en dépenses deux d'un coup pour poser une question à laquelle il est obligé de te répondre. Soit chacun de ces points de rumeur, ça va te donner accès à un objet spécial qui va t'aider ici ou ici. Mais celui-là non, va t'aider. Non, mais je préfère garder le rose pour rejouer le tour d'après. C'est intéressant. Je m'en doute. Allez. Fin du tour. Allez, c'est l'avant-dernier. Il faut que je tienne. Il faut que 4. 3. Oh, purée, mais j'ai vraiment… Donc, le 4, ça sera le dernier. Purée. Et la rivière. Ah, regagne un point de vie pour le héros ou rechargez votre réserve de dés verts au maximum. Toi, c'est, là, c'est deux verts. Ouais. La recharge, c'est deux. C'est ça, deux. Plus un vert. Ouais, attends. Ah, il faut que je choisisse. Non. C'est lui d'abord qui commence. Soit, alors, regain de point de vie d'un héros. S'en fout. Je suis à plein. Ou alors, vous rechargez votre réserve de cavalerie au maximum. Pour le joueur humain, elle est de 2. Pour le joueur loup-garou, elle est de 0. Bah oui, toi, tu n'as pas utilisé cette carte. C'est deux actions. Eh oui. Toi, tu feras ça, mais il faut qu'il choisisse d'abord. Choisis d'abord. Ensuite, il a le bleu. Ou alors, piocher deux cartes mythes plus un noir. Non, je vais prendre l'interruption. L'interruption. Donc, je vais prendre les deux verts. C'est deux actions. C'est vas-y. Bah oui. Ah là, ça, c'est bon pour toi, ça, Fala. Quoi, que de la gueule. Purée, mais ton cheval, autant de la gueule que moi. Ça sent le chien mouillé. Attends, on n'a pas enlevé ceux de la... Ah oui, bon. Tiens. Ouais, c'est excellent. T'as vu, là, c'est joli. Ouais, chevalier vraiment dedans, quoi. Hein. Chevalier qui arrive en plein sur le loup-garou, et ben, il peut se brosser, Martine. OK. Première action... On tatane. Alors, eux tatane ici. Alors, si tu tues le prêtre, tu gagnes 3 points d'expérience. Hein. Mais c'est peut-être pas ce que tu veux faire. Si tu tues le héros. Ça. Et puis, ça va beaucoup m'embêter que tu tues le prêtre. Parce que j'ai besoin de des prières. Tiens, d'ailleurs, t'en perds un. Pourquoi? Parce qu'on a fait la fin de la phase de rivière. Et comment t'en avais regagné un? Parce que je t'ai flingué ta gueule. Eh oui. Ah oui, c'est vrai. Ah, purée. Bon, c'est pas grave. Donc, je tape. Lui, il est en 1, et puis lui, il est en 1. Tiens, ça en défense, tu as un rouge et un vert. Un rouge et un vert. Ouais, ils sont là, les rouges, tiens. Punaise, allez. Tape sur qui, là? Oui, deux. Sur deux. Qui tu tapes? Là, ici, là. Non, mais sur lequel? Sur les deux. C'est sur les deux. Et toi, tu lances les dés pour les deux. Oui, c'est ça, rouge et vert. Va te faire foutre. Allez. Oui, il n'y en a qu'un seul. Un bouclier. Oui. Je peux relancer le rouge? Oui. Oui, non, oui. C'est l'épée. Non, c'est l'épée. Épée ou bouclier? Épée. Tu peux relancer un dé épée ou bouclier. C'est-à-dire? Bah, c'est le rouge, c'est l'épée qui… Mais ça me sert à quoi de relancer un bouclier pour que ça soit de l'épée. Ou alors un bouclier pour que ça soit de l'épée.
Dieu nous dit quoi en réalité? Je pense que ça marche aussi pour le gourdin, mais perso. Non. Non, vous pouvez pas me dire ça. Bah si, sinon ça n'a pas de sens. Mais si, c'est que t'améliores. En plus, j'ai pas d'épée là-dessus. Mais si, c'est l'épée, c'est celle-là. Tu vois, donc non, c'est... t'as fait qu'un bouclier. Moi, je veux une confirmation de l'auteur. Il nous dit quoi, l'auteur? Ça veut dire quoi, ça? Tout relance ça, un dé, tout épée, ça ou parce un dé que bouclier. Ma y a la crainte qu'il y ait perde. Mais non. Bah, tu sais, je vais mourir heureux, je m'en fous. Bah ouais, je sais bien. Oui, mais justement. Bah, il nous répond pas, il sait pas en fait. Ça m'arrangerait que tu perdes. Que... Oui. Ouais. C'est un dé. Ok. C'est un dé. Voilà, c'est tout. Donc je relance celui-là, c'est une fois par tour tant que je veux. Ok. Ouais, alors si en plus l'auteur est du côté de Fred. Ah mais non, il est du côté en fait, de la logique. C'est un symbole qui veut dire un résultat d'attaque. D'accord. Tu vois. Eh ben non. Oh. Eh ben non. Bah, écoute, donc les hommes d'armes, non, oui. ils sont hors combat, juste hors combat. Hors combat ils peuvent revenir. Ils sont pas encore. Rien à foutre. Bon, c'est bien. C'était ce dont j'avais besoin. Tu parce crois que. Ça bah oui. Parce que il du peut coup. Pas prendre possession. Lui, j'active. Oui. D'accord. Donc je révèle. Oui. C'est des loups. Des loups. Oh là là, d'un seul coup, j'ai peur. Et j'ai aussi oublié un truc. Ah. C'est que quand tu te révèles, oui. Le loup-garou se révèle avec un loup. Ah, bon, bah, il s'était révélé, donc là, il y a deux loups. Hop. Voilà. C'est quand même pas mal. Non, je suis obligé de. Ah oui, non, mais ouais, il faut qu'il. Alors, respecter la règle. Il faut qu'il y ait une chance. T'es là, c'est bon. Donc, du coup, les deux loups. Il y en a un qui va venir. Il y a ici. Cette place là-dessus là. Parce qu'il y a un bâtiment là. Il y a un bâtiment, 1, 2, 3, 4. 3, 4, c'est bon. Pile. Donc il y en a un qui va venir là. D'ailleurs, les deux vont venir là. Non. Ah oui, d'accord. Ils viennent d'arriver et en plus, il fait écran. Ouais, et puis lui, il va venir là. Oh, mais quel lâche. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. 1, 2, ouais, ça c'est bon. Et puis, mon dernier cube, parce qu'après, il pourrait y avoir encore une interruption, c'est de jouer ici. Et eux vont venir ici. Ok. Voilà, et moi, j'ai fini. Et c'est à moi. Mes actions. Alors, où sont mes forces en présence? Elles sont toutes éloignées. Bon, elles sont toutes, elles sont loin. J'ai besoin de rien. Il a quoi, lui, pour se défendre? Il a quoi, le bleu? Un vert. Plus un rouge. Pourquoi plus un rouge? Ah non, alors tu as plus un rouge au début, quand tu es révélé au début du jeu. Est-ce que tu étais révélé à la fin du jeu? Tu as un rouge en plus. Ah, tu peux en jouer. Ah, un cube. Un cube. Ah non, bah je vais le garder. Tu le gardes, mets-le en réserve. Par contre, le bleu tu peux être... Interruption. Ouais, ouais. Ouais. Allez Guillaume, tu tiens, il suffit d'un tour. Putain, par contre, si tu montes au niveau 2 avec ton loup-garou, oui. Tu n'as plus le oui, cube cette rouge. Supplémentaire. Voilà. Donc là, si je veux passer, je suis obligé de l'attaquer. Oui. Puis de l'attaquer. Ah, oui, mais tu as de bonnes chances quand même, ouais. Parce qu'il suffit de le faire reculer. Puis, mais écoute, je vais pas chercher Miguel 14 ans, c'est mon chevalier, il va tout faire tout seul. Bah viens. Alors après, n'oublie pas que tu as une charge qui te permet de faire deux déplacements oui, et une attaque, mais il t'a bloqué. Hein, c'est bloqué, partout, donc hein. J'ai pas le choix, hein, parce que même si je fais 1, 2. Puis après 1, 2. 1, 2. Puis après, voilà. 1, 2. Donc ça me fait 3. Alors que là, je peux très bien arriver plus vite. Oui, ouais, mais là, moi, je peux te coincer. Attends, je réfléchis ce qui est le plus avantageux. Puis il a peut-être des cartes mythes aussi. Non, mais je vais foncer dans le tas, moi. Ça me fait gagner de l'expérience. Oui, donc c'est dans le tas, j'en ai rien à foutre. En plus, j'ai charge, donc j'ai le temps. Je vais faire ça. Donc t'attaques. Et puis si tu rates, tu peux faire un relâche. Ok. Rouge. Donc c'est deux rouges. Deux rouges. T'as quoi toi pour te défendre? J'ai rien. Boum. Boum. Tu m'as tué un loup. Oh non. Il est super mort. Il est mort. Tu prends tout de suite tu possession. Tu prends la place. Tu ouais. prends la place. Et tu ah, révèles. Et on va regarder. Super indice. Super indice. Ah, okay. Donc ça veut dire que tu as deux points de rumeur. Et donc tu peux révéler les secrets. De l'ancienne, d'accord. Les ruines de l'ancienne église ou du calvaire. Donc ouais, je les révèle. L'ancienne église, il est dedans. Alors regarde. Ah, tu peux en révéler deux. Non, une. Un de chaque. Donc tu révèles les deux, hein. tu connais les deux rumeurs. Ça veut dire allez. Que maintenant, tu peux fouiller l'église et obtenir un avantage. Alors, croix sacrée. Le héros, plus un rouge, attaque contre le loup-garou. Donc j'ai voilà. ça. C'est si tu le récupères là-bas. Ah, faut que je fouille ça. Ah, oui. Voilà. Et l'autre, c'est relique de Saint Odile, héros ou prêtre. Le porteur gagne plus un mouvement de lieu et peut bloquer le loup-garou dans son hexagone. Et ça, faut que je fouille ça pour l'avoir. Alors il faudrait demander à la voix où se trouve l'église, la croix de Saint sacrée et la relique. C'est l'archange qui vous parle. Alors la croix, elle se trouve juste devant ça. Ouais. D'accord. Ok. La relique de Saint Odile, elle est de l'autre côté. Voilà. Ouais, non. Tu chopes. Donc voilà. Si je rentre dedans, c'est à moi. Ouais, ouais. Bah vas-y. Bah je vais rentrer, tiens. Ok. Je vais là. Ok, je t'attaque. Ta gueule. Bah essaye.
Bah, je vais essayer, j'ai deux rouges. Eh oui, bah, tu peux ne pas le faire. Voilà. Boum, boum. Bon, d'accord, je suis mort. Donc, okay. Tu es mort. Okay. Tiens. Ça, c'est mort définitif. Je pense qu'il ne manque pas d'expérience. Hein. Et tu rentres là-dedans. Et là, tu m'as donné, j'ai la croix de Saint-Odile, tu me l'as donnée. La croix sacrée. Et t'as plus un rouge. Plus un. Tu contre le loup-garou. Quand tu attaques le loup-garou, tu auras trois trucs. Trois rouges. Oula, tu vois, c'est énorme. Eh bien, écoute, je ne vais pas hésiter une seule seconde, parce que je crois que tu es juste là, en fait. Ah, attends, interruption. Ah, bah, interromps tant que tu veux. On est d'accord. Ah, interromps, mais interromps. Vas-y, fais-moi rire. Alors, attends. Oh, j'adore quand un plan se débrouille. Et s'il avait de l'expérience, son loup se déplacerait de deux. Mais il n'a pas l'expérience. Moi, il n'a pas joué. Il a joué. J'ai joué autre chose. T'as joué autre chose. Voilà. Et moi, j'ai joué autre chose. Eh bien, parfaitement. C'était bien mon petit coup de passer un tour. C'est super. Comment ça t'a mis la pression, mon pote? Pas du tout. Bah, t'as raison. En pas plus, enchaînement de circonstances derrière. Mais t'es pas mort encore, hein? Non, non. Ça sent le chien mouillé. Ça m'énerve! Et donc, il a bien fait les interversions avec super indice. Non, mais il a bien essayé. Ouais. Mais allez, t'es là. Donc. Voilà, bravo. Donc, si je fais une attaque. Alors là, ce que tu peux faire, c'est un verre. C'est une charge. C'est une charge. Ouais. Parce que tu fais deux cases. Jusqu'à deux Paf, cases. Une case. Et là, j'attaque. C'est ça. Donc là, on va les mettre. Donc là, j'ai trois dés rouges. Ouais. Tu as trois dés rouges. Et lui, il a combien de défense? Un des verts. Ah. Ouais, je sais, ça va. Pas la peine de le rappeler. Ah, tout peut se jouer là. Alors, j'ai un bouclier, j'ai une croix dans ta gueule et j'ai quoi, c'est quoi ça? Une fuite. Il me faudrait juste Attends. Non, mon relancer, je le fais quand? Avant, maintenant? Non, tu le fais maintenant. Voilà, je vais relancer avec mon pouvoir. Le bouclier. Je vais relancer, le bouclier ou… Le bouclier, il ne sert à rien. Bah, le bouclier. Il vaut mieux resservir le bouclier. Au minimum, tu as une fuite. Au minimum, tu auras une fuite. D'accord. Bouclier. Yes. Il me faut juste un bouclier. C'est quand même pas beaucoup demandé. Bah, une chance sur deux. Mais de toute façon, je vais te repéter ta gueule derrière. Eh, Satanas. Oui, bah oui, mais je peux encore tenir, moi. Eh bah oui. Non, t'as une relance, hein. Ah oui, j'ai ma relance que j'ai pas dépensée. Oh putain. Boucan. Oh, gourde dans ta gueule. Putain, fais chier. Maintenant, j'ai eu ta peau, vil monstre. Alors que j'aurais dû te faire couiner. Et tout ça parce que le 4, il arrive à la fin. Oui, oui, non, mais ça, c'est du bobard. Le 4, il est juste à la fin. C'est du bobard. C'est de la chance. À l'état pur, c'est tout. Juste. Alors, ce scénario favorise un petit peu le loup-garou. Non. Alors, même pas en rêve. Ne serait-ce pas mon petit coup d'attente? Non. Placé au bon moment? Non. Parce que t'as fait un petit tour de merde. Là, je fouille. Je vais faire le ménage dans la même fille. Non. Je me suis dit, ça ne bouge pas un poil de cul. Je vais attendre. Et bam, 20 mouvements qui m'ont ramené. Magnifique. Non, ne le dis pas, l'encourage pas. Non, mais c'était une belle partie. Gen of Orc. Alors, je le redis, c'est un scénario, c'est un jeu à plein de scénarios, c'est du matériel qui est fait à la main, puisque c'est un prototype. C'est pour ça que j'ai fait un KS. C'est un prototype, c'est pas encore du vrai. Écoute, parce que sinon. Ce qu'on va faire. Et c'est un scénario parmi plein d'autres. Justement, on va en faire un autre, c'est ça, si j'ai bien compris, on en a un autre. Hein? Okay. Et alors, il y en a. L'autre scénario favorise plutôt les Français. D'accord. Donc, tu joueras les Français. Ok. Non, là, tu me fous encore plus de pression parce que si je perds, j'ai pas d'excuse. Non, mais je vais prendre les Anglais. Voilà, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour savoir si ça commence à être fait pour vous ou pas. Vous allez avoir des milliers d'autres exemples, notamment un petit papotage que l'on fera après la deuxième partie pour voir les tenants et les aboutissants, le KS, les stretch goals et tout ce genre de choses. Mais dans une autre vidéo, il est temps. Pour nous de vous dire au revoir parce qu'il est temps aussi d'aller manger de la bonne viande rouge. C'était de la bonne viande rouge. Oui. Pascal Bernard est l'auteur de Gen of Orc, c'est illustré par Bayard Wu. C'est Mythic Games qui en est l'éditeur. 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 45 minutes, c'est à peu près ce qu'on a fait, peut-être un petit peu plus. Ouais, j'ai été un peu long. Oui, c'est pour ça qu'on va mettre fin à cette. J'aurais dû prier à la chapelle ou pas? Je t'en sais rien. Eh bien, t'avais la sorcière, hein. Merci Monsieur Léo d'avoir été. Merci à vous. Merci à Dieu qui nous parle via. Non, on dévoile les mystères. L'archange Gabriel. L'archange nous parle grâce à un talkie-walkie. Il est temps de regarder cette caméra droite dans l'objectif et de dire Jenny Wright.